nous allons d'abord confectionner la pâte à beignets. Pour cela, clarifier les jaunes. Réserver précieusement les blancs qui vont nous servir tout à l'heure pour donner de l'onctuosité et la texture à notre pâte. Mélangez les jaunes avec la farine, la pincée de sel. Ajoutez la bière. Ajoutez un petit peu de lait afin d'obtenir la consistance désirée. La pâtisserie est une science exacte. Soyez très précis dans les pesées. Pendant que la pâte va reposer, nous allons préparer les pommes. Éplucher, citronner. Ensuite, découper en rondelles. Cela pourrait être bien sûr des pommes, des ananas et tout autre fruit ou légume qui pourrait être traité de la même manière. Un peu de liqueur ou d'alcool, légèrement sucré. Et ensuite, nous allons serrer les blancs. D'abord les monter au fouet, ceci peut bien sûr se faire au batteur mécanique. Dès qu'ils sont bien serrés, incorporez-les dans votre appareil et délicatement, à l'aide d'une marise ou d'une spatule, mélangez les blancs d'œufs à votre appareil afin de lui donner cette texture légère. Montez votre friteuse à 170 degrés. Ensuite, vos pommes marinées, trempez dans la pâte à frire, disposez-les délicatement dans l'huile et ensuite, à l'aide d'une écumoire, nous allons arroser cette préparation. Les huiles utilisées pour la friture doivent toujours être de qualité irréprochable. Faites reposer vos beignets ensuite dans une plaque avec un papier absorbant, saupoudrez de sucre glace et servir chaud ou tiède.